Le nain premier ministre qui paiera ma salité de dimanche. Pas ce travail ça. Pas ce travail ça. Laisse la jeunesse. Donne nous bandes jeunes l'occasion à faire man cleaning campaign sur l'île Maurice et redonne la beauté de nos pays. Comme un étranger peut venir Maurice ou un touriste peut venir peut trouver que nous pays joli, propre. À l'époque, nous tiennons un vrai patriote qui fait la guerre pour notre pays. Aujourd'hui, la majorité, beaucoup nous bandes zen, bétons de man fléau à Maurice. Nous bisons, relève sa man zen et ça. Redonne l'espoir dans le mauricanisme. Refais-je croire dans l'île Maurice et que fais-je devenir un vrai patriote. Et pour ça, le National Service to Mauritius, il y a un mesier extrêmement important et extrêmement fort pour la jeunesse mauricienne. Ça m'a un jeune là, en 18 et 23 ans, vous vous êtes donné 3 mois, je te la vie, je te l'étends, une fois que je termine, je t'étais ici, pour servir le peuple mauricien. Al faire une petite chose qui pour servir le pays pour le futur. C'est pendant ces 3 mois là, un jeune là, capable à planter une zorbe dans Maurice. Vous pouvez trouver une déforestation partout, des coupes, des pieds centenaires, peut faire métro passer et que nous pouvons casser l'image de notre pays qui veut, qui a beaucoup d'hommes, qui a beaucoup de plaisir. Donc nous devons refaire nos bandes jeunes, aller rire de la beauté à notre pays. Et ça, ces 3 mois-là, nos bandes jeunes pouvaient faire ça. Vous êtes capables aussi d'aller dans la clinique, aller dans l'hôpital, donner un coup de main. Et nous aussi, beaucoup de bandes jeunes qui ont un talent informatique. Je suis capable de développer une app. Aujourd'hui, avec sa National Service to Mauritius là, je pourrais être une patriote. Je pourrais être concerné par l'île Maurice et l'avenir de l'île Maurice. Donc ça, c'est très très important pour qu'ils nous ramènent nos bandes jeunes pour être une bande vraie patriote. Réforme 60, c'est un Young Leaders Program. Nous sommes dans nos pays, bandes jeunes qui ont beaucoup de talent. Aujourd'hui, les chiffres peuvent dire nous, on a à peu près 20-25 000 jeunes qui peuvent quitter le pays tous les ans, qui peuvent aller au Canada, l'Australie, la France, beaucoup de pays. C'est un talent qui nous peut perdre. Et l'île Maurice, vous allez reconnaître ce talent. C'est un talent-là qui peut faire l'économie mauricienne et faire Maurice progresser dans l'avenir. Donc nous, vous allez reconnaître et récompenser nos talents exceptionnels. Le Youth Leaders Program pour aider, reconnaître mon talent, mon patriote mauricien, mon jeune Maurice mauricien pour qu'il nous ramène de l'avant. Promouvoir eux et donner tout ce qu'ils ont besoin pour continuer à cultiver ce talent et faire eux grandir. Donc, ça mesure là aussi pour les jeunes et pour l'avenir de la jeunesse mauricienne.